Tout d'abord, on va faire tomber Luc, comme d'habitude. Oui. Ouais, mais j'étais un peu aujourd'hui sur le gun. Non. Juste vous rappeler que le tout est filmé et que ce sera sur le blog éventuellement de Mitty Morancy. Ça va être par en arrière. Je deviens mou, complètement mou. Attention. Il lui masse le cou, le front. Exactement. Complètement. Il est quand même un peu lourd. Il le prend comme si c'était une plume. Exactement. Et maintenant, tu inspires profondément. Et à chacune de tes expirations, tes muscles se détendent de plus en plus. Détends-toi, Luc. Détends-toi. Car à partir de maintenant, tu vas croire et tu vas faire tout ce que je te dis. Et tu te détends et tu es retombé exactement dans l'état dans lequel tu étais la semaine passée, l'autre semaine d'avant. Toujours très détendu, un état d'hypnose très, très, très profond. Maintenant, je vais compter de 1 à 3 et au compte de 3, je voudrais que tu t'installes dans ton lit sur le côté. Parfait. Attention. 1, 2, 3. Allez, vas-y, tourne-toi sur... Oui, exactement. Continue. Oui, vas-y, très confort, très confort, très, très, très confort. Et à partir de maintenant, tu te reposes et je te reviens dans quelques instants. Parfait. Et voilà. Alors là, il est en état de sommeil? Oui, il est tombé direct. OK, parfait. Donc là, ça c'est très... tu disais tout à l'heure qu'une séance d'hypnose de quoi, 10 minutes? Oui, 6 heures. Ça pouvait... l'équivalent de 6 heures de sommeil? Oui, instantané. En termes de profondeur et de repos. À la fin, là, c'est pour ça que vous le voyez, tu sais, quand il se réveille à la fin de l'émission, il est temps, voyons, qu'est-ce qui se passe? C'est comme s'il venait de se réveiller d'une nuit profonde de sommeil. D'ailleurs, lui-même me disait la semaine dernière que normalement, le jeudi, Luc anime dans les bars et qu'avant d'y aller, le jeudi soir, il fait une sieste à la maison. C'est normal. Mais jeudi dernier, étant donné l'hypnose que tu avais fait avec lui, il se sentait pas du tout fatigué, il n'a pas eu à faire sa sieste, il est allé directement travailler. Puis c'est normal pas fatigué, que même après 10 minutes de sommeil, il ait la laine d'une nuit complète. Je me demandais, contrairement aux autres semaines lorsque tu es venu, là particulièrement, tu lui demandais de se coucher sur le côté. Oui, les autres fois, il était sur le dos. Est-ce qu'il y a une raison? Non, il n'y a pas de raison. C'est juste aujourd'hui, je veux vraiment le. Ça serait pas en moins. Okay. Non, il m'a dit qu'il se sentait moins sécure. Donc, l'endroit où on se sent en général très sécuritaire, c'est où? C'est dans le lit. Donc, c'est pour ça que j'ai fait imaginer qu'il est dans son lit en ce moment. Regarde, au compte de 3, Luc, il va avoir un moustique dans ton lit. Il va commencer à te piquer les pieds. Okay? Au compte de 3, tu commences à te frotter les pieds. 1, 2, 3, ça pique les pieds. Oui, vas-y, frotte, frotte, frotte les pieds. Allez, vas-y, ça frotte de plus en plus. Ça pique, ça pique, ça pique, ça pique, ça pique. OK, ça se calme, il n'y a plus d'araignée. Il n'y en a plus, il n'y en a plus, il n'y en a plus. Très bien, très bien. C'est bon, Luc, tu retournes dans ton sommeil. OK, ça pique plus, Luc, ça pique plus. Tu retournes dans ton sommeil. Et voilà, tu es très bien chiffré. Je ailleurs, juste pour rire. le boudinier, c'est comme ça. Non. Il est vraiment, vraiment, vraiment relax. Oui, exact. Il est détendu. Il est avec drôle, là. Ouais. OK. Est-ce que tu veux commencer par le petit truc que je t'ai dit tout à l'heure? Oui, on va commencer avec ton idée. OK. Juste un petit gag. C'est toi. Bon, voilà, je vais te laisser le faire. OK. Parce que tu sais, le mot pourrait être chien. OK. Parfait. Juste moi. Juste François. Très bien, Luc. À partir de maintenant, tu m'écoutes, d'accord? Tu m'écoutes. Et tu ne fais que te concentrer sur ma voix. Je t'explique qu'est-ce qui va se produire. À partir de maintenant, Luc, tu vas te réveiller, tu vas être complètement conscient. Mais là, à n'importe quel moment, et je répète à n'importe quel moment dans l'émission, en ce moment, lorsque François va dire le mot « chien », d'accord? Tu vas t'imaginer dans ta tête que tu es un karatéka. Tu vas te mettre à parler en chinois et tu vas vraiment crier en chinois et faire des gestes de karaté, OK? Et aussitôt que François redit le mot chien, tu redeviens complètement normal et OK, il revient. Mais à toutes les fois qu'il va redire encore le mot chien, tu te reprends pour un karatéka, tu parles en chinois, et puis tu nous fais des bons moves de karaté. Parfait. Et il y a juste François. C'est juste quand François dit le mot chien. Parfait. Attention, Luc, on va se réveiller, d'accord? Attention. Et tes gestes sont très exagérés. Très, très, très exagérés. Tu vas même retomber en super cochon pour nous faire ça en chinois, tellement que c'est intense. C'est okay? Extrait de Kung Fu Panda. Attention. 1, 2, 3. Reviens à toi. Luc, reviens doucement. Excellent, Luc. Viens ici, viens près du micro. Oh! Oh, yeah. Ça a été une bonne nuit de sommeil, ça, mon petit loup, hein? Comment ça va? Viens-t'en. Je relève tranquillement. Puis la face rouge. Oui, la face rouge comme après une bonne nuit. Donc, moi, je vais juste m'éloigner de Luc. Oh, un petit peu. Vas-y.
Comment tu fais? Veux-tu que je peux te l'apprendre? Ouais, ouais. Je sais que ce n'est pas assez long. C'est comme... Là, tu réalises que tu l'appelles le vidéo, hein? Moi, ça ne me dérange pas. Il fait assez longtemps que je le connais. Il est utilisé, lui aussi. Ça a été comme une belle nuit de sommeil, là, mon Luc. Là. Ouais, ouais, ouais. Ouais? Ça fait du bien? J'ai perdu la carte, là. Je m'excuse, là. Okay. Non, non, excuse-toi pas. C'est non, non, c'est parce que ce que ça fait, c'est que là, je suis avec vous autres, j'ai aucune idée de ce qui s'est dit ou ce qui s'est fait. Ou... Tout a été filmé. Okay. Tu auras l'occasion de revoir ça après ça sur le blog de C'est quoi. Francis okay. va mettre ça en ligne bientôt. OK. Mais tu fais-tu relax qu'on prenne une bonne nuit de sommeil ou... J'haïs ça quand tu me regardes avant parce que tu ris, là. Il y a non, mais je fais juste ouais, oui, je me sens, ouais, oui, je me sens relax, là. J'ai dormi, là. Mais François, t'as pas été... J'ai vraiment... Non, je pense que j'ai pas été chien. En vrai, je me sens énergisé tout le temps, tu sais, on dirait un surplus de power, puis vraiment... Mais j'ai, ouais, pas, j'ai pas du tout été chien. Je comprends rien. Assis-toi, Luc, c'est normal. C'est François qui abuse de ton corps. Assis-toi de ce genre de assis-toi, Luc. On te fait faire un petit peu d'exercice. Assis-toi, là. Hey, là, je comprends. Là, j'haïs ça. Détends-toi, Luc. Je sais juste que le cœur me débat. Ah ouais, attention. Tu veux un verre d'eau? Tu connais? Je pompe au bout.